Hello les amis, bienvenue dans ce weekly vlog. Je vous pose, je vais m'installer. Bref, je suis crevée, j'ai fermé la porte. Ah, je n'ai pas fait le weekly vlog la semaine dernière. J'étais un peu penchée là. Et en fait, comment vous dire, je suis fatiguée là. En fait, je me suis gourée dans mes horaires de boulot et pas forcément. Je suis fatiguée. Ah, faut qu'il démarre sa moto maintenant, quoi. Bon, je vous prends. J'ai eu quelques questions, qui m'ont été posées dans des commentaires. Et du coup, je me dis que ça serait bien de faire une FAQ, en fait. Et je me dis que sous cette vidéo, je vous laisse me mettre les questions que vous vous posez ou des choses que vous aimeriez savoir. J'essaierai d'y répondre, voilà. Si je peux pas prendre toutes les questions, ça sera une deuxième FAQ, voilà. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de vous tourner ça. Donc pour revenir à la semaine dernière, je vous ai pas fait de weekly vlog. D'une, j'étais fatiguée, maux de tête à répétition, voilà. Et là, en fait, du coup, normalement, je travaille deux jours. Comme vous savez maintenant, j'ai des rendez-vous à la médecine du travail. Et en fait, à la médecine du travail, je travaille deux jours par semaine et après un jour de repos. Or, je me suis complètement gourée parce que samedi, dimanche, je vais te laisser partir avec sa moto. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'allume cette caméra, il y a toujours un truc? C'est dingue ça. Donc je disais, en fait ce qui se passe, c'est que c'est moi qui gère mes horaires de base, c'est moi qui fais les plannings. Il n'y avait personne pour faire le dimanche et j'ai dit bon exceptionnellement du coup je vais le faire. Je dis exceptionnellement parce que quand on est en mi-temps thérapeutique, on ne fait pas les dimanches, on ne fait pas les jours fériés de base, hein, voilà. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, exceptionnellement, je vais faire le dimanche, donc je vais travailler samedi-dimanche. Donc, je fais mon planning de la semaine, et puis après, je suis passée à la semaine d'après, et j'ai dit, je vais faire lundi-mardi, mes deux jours consécutifs, et après, mercredi-jeudi, repos. J'avais zappé que je faisais samedi-dimanche, lundi-mardi, et là, c'est mon troisième jour. Et franchement, je suis explosée. Voilà. Je suis ultra, ultra fatiguée. Donc, je me dis demain je me lève tôt. Donc, je verrai demain si... Enfin, je me lève tôt. Je verrai rien du tout. Mais demain, je vais me lever tôt parce que demain, je suis d'ouverture. Par contre, je dois finir vers les 5h, 5h30. Donc, et après, j'ai mes deux jours. Donc, je vais essayer de me reposer comme je peux. En sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos que je vous ai postées entre Shein, etc. machin. Et donc du coup, il faut aussi que je fasse des vidéos. Donc pendant mes jours de repos, il faudra quand même que je fasse des vidéos, mais je vais y aller tranquille, voilà. Ça ira. Donc si vous êtes peut-être un peu moins de vidéos sur cette semaine, vous savez pourquoi. Voilà, voilà, j'espère quand même que vous allez bien, que tout se passe plutôt bien pour vous. Nous ça va, et ce soir là j'ai mangé une grosse salade verte. Je me suis fait une salade de ouf avec une grosse burrata et tout. Je me suis fait plaisir hein, ce soir. Avec de la salade. Pas avec un McDo, mais avec de la salade. J'ai, comme je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo ménage d'il y a plus d'une semaine, j'ai ma chaise de bureau qui arrive, donc qui doit arriver là en milieu de semaine. Donc j'ai hâte de la voir. Et puis j'ai racheté aussi pour la caméra une carte SD plus performante. J'ai pris aussi une deuxième batterie parce que franchement c'est une galère quand je fais des vidéos ménage. Quand je fais les vidéos ménage, quand je fais les vidéos batch cooking, mais c'est une catastrophe. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure, mais en termes de temps, forcément, c'est beaucoup plus long puisque je fais du x3, du x8, enfin bref.
Et forcément, des fois, je filme pendant une heure et demie, et ben, je fais que de recharger le téléphone, quoi. Enfin, l'appareil. Donc voilà, je passe ma vie à ça. Je fais une séquence, deux séquences, trois séquences, et après, faut que je recharge, donc je réattends, ou alors je me dis, bon, maintenant, je vais pas leur filmer. Je vais pas non plus attendre 20 minutes que ça charge pour pouvoir continuer mon ménage. Que de base, je vous le filme, mais je le fais pour moi, mon ménage. Ou mon batch cooking aussi. Le batch cooking, c'est un peu plus chiant parce que j'aime bien vous donner un maximum de détails, que vous puissiez voir les trucs, enfin bref. Voilà, voilà. Bon, pour info, il est 20h51. 20h50, pardon. 21h50. Oh là là, je vais y arriver. Et j'ai bien envie de m'allonger. Je suis bien fatiguée. J'ai fini ce soir, j'ai fait la fermeture. Donc je suis rentrée à la maison, il était 20h. Donc voilà, je suis rentrée depuis 2 heures et je vais essayer de vous prendre un petit peu tout au long de la semaine pour pas faire comme la semaine dernière. Voilà. J'aimerais bien aussi faire un petit passage à l'action cette semaine. Donc si j'y vais, j'irai mercredi. Je suis tellement fatiguée que je vais être en repos demain. Ça, depuis enfin, toute cette journée, à ma collègue, je disais, bah alors moi demain je vais faire ci. Elle me fait, mais demain tu travailles, Noélie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, demain je travaille encore. Voilà. Bref. Donc j'irai bien faire un petit tour chez Action, peut-être, je verrai. Je sais pas. Ou ça tombera peut-être la semaine prochaine. J'en sais rien. J'ai envie d'y aller, mais là j'ai quand même acheté pas mal de choses. Donc je sais pas. Bref, voilà les amis, mon mood du lundi soir. Je vais m'allonger. Je vais faire je sais pas quoi. Regarder des vidéos peut-être, je ne sais pas. Parce que j'ai commencé à mettre des vidéos pour mon montage. Mais là, je suis morte. Donc je pense que non, je ne vais pas faire mon montage. Non, ça attendra. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. Et on se retrouve dans une autre journée. Les amis, on se retrouve, nous sommes mardi, j'ai fini le travail, j'ai attendu cette journée, mais alors je l'ai attendue depuis 3 jours. Voilà, j'avais hâte d'arriver à ce soir pour être en repos demain et après-demain, je suis trop contente. Bref, l'homme a réceptionné aujourd'hui colis. Ma chaise, ça y est, elle est arrivée. On va la monter. J'espère que. Vous savez, c'est ma chaise de bureau, hein, voilà, qui sera remplacée pour le coup. Et je vous avais dit que j'avais un petit souci avec ma multiprise dans la vidéo motivation ménage. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, voilà, si je pense à le faire. Donc, je m'installe. Je vais ouvrir ça. Donc, dans ma commande, il y avait aussi. Une carte SD plus avec un 128 Go, je crois, pour l'appareil photo. Voilà. Et une autre batterie, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, je galère avec celle-ci. Donc, je vous montre, c'est la marque Tessane. Voilà. Que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça. C'est un cube. Et donc dans le cube, il y a 1, 2, 3 prises et il y a les ports USB. Et je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Donc je vais voir si ça fonctionne. Si je la mets comme ça, je pourrais mettre mon truc là. Bon. Je vais défaire ça et on va tester. Et ils vendent aussi la même prise sans justement fil que vous branchez directement à la prise. Je trouve ça plutôt pas mal, super ingénieux. Ça prend plein de place et ça fait une multiprise quand même. Enfin voilà, 1, 2, 3 prises plus ça pour mon bureau. J'espère que ça va aller, mais je pense que c'est vraiment top. Sinon, franchement, on la réutilisera ailleurs parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Moi, il y avait un coupon sur Amazon. Il était à 17 euros le truc là. Bref, je vous mettrai les liens en barre d'infos de ce que je vous présente en vidéo aujourd'hui et de ce que j'ai acheté pour le coup. Comme ça, je vous mettrai la carte SD, tout le tutti quanti. Et dedans, nous avons aussi quelque chose pour le coller
au cas où, en dessous le bureau, si on veut le coller, voilà. Moi, j'ai ma petite trappe. Le but, c'était que ça aille dans ma petite trappe. Donc, je vais tenter. Bon, du coup, je l'ai installé comme ça. Et quand je referme, hop, ça se referme nickel. Je suis trop contente. En plus, pour le coup, quand je vais vouloir brancher mon micro, je pourrais le mettre là. Tac, tac. Bon, forcément, ça, je savais, il y a une prise ici, je ne peux pas l'utiliser. Une prise là, bah, je pourrais l'utiliser si je le... Voilà, si je... Mais bon, je me dis, là, au moins, c'est nickel. Vous voyez, vous avez encore une prise là et j'ai une prise derrière. Mais je ne vais pas en avoir l'utilité. Par contre, je vais avoir l'utilité de celle-ci. Si je veux brancher mon micro pour les voix off, mon téléphone, etc., j'ai plus qu'à, voilà, à tout mettre là. Franchement, elle est vraiment top. Pour mon bureau, en tout cas, vraiment, c'est nickel. Nickel. En plus, vous avez l'ouverture juste ici. Donc, hop, j'ai plus qu'à faire dépasser le fil. Je referme. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Bon, bah, ça déjà, ok, je valide. Bon, je vais voir si ça marche quand même. Bon, bah, ça fonctionne très, très bien. Et il y a un petit indicateur pour nous dire que ça fonctionne. Je vous montre. Vous avez le petit point bleu juste ici. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, Noélie, très contente. Voilà. Maintenant, on va se mettre à ce gros carton et puis pour pouvoir retirer cette belle chaise qui, à la base, c'est la chaise où on mange. Voilà. Bon, je vais retirer ça et puis ben, on va monter la chaise de bureau. C'est parti. Bon, ben, voilà le siège que nous avons pris du coup. Alors, il existait aussi en effet un peu velours. Nous, on l'a pris en simili. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que ça, ça se défait et c'est déhoussable. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Hop. Voilà au niveau des roues. Là, il est en hauteur maximale. Du coup, il passe nickel. Et quand il est au plus bas, il rentre presque entièrement en dessous, en fait. Du coup, voilà. Il dépasse, voilà, que le dossier qui dépasse. En fait, les accoudoirs, hop, ils passent vraiment bien en dessous. Donc, ça ne fait pas perdre de la place. Franchement, top. Je suis trop contente. Il est sympa, chaton, hein, ouais. Hein. Et puis même, je trouve que la forme, elle est originale. Ouais. Hein. Il est quand même assez large. Donc, je peux prendre encore un peu de poids. Je plaisante, je plaisante. Voilà. Bon, très, très contente. Très contente. Nickel. Perfetto. Perfette. Parfait. Par contre, on s'est aperçu qu'il y avait une petite déchirure dans le simili-cuir. Donc, j'ai pris une photo. Je vous la mettrai là. Et du coup, là, je vais prendre mon téléphone et je vais envoyer un truc Amazon, etc. Vu que le siège se déhousse, à la limite, plutôt que de re-renvoyer, qu'il me re-renvoie un siège alors qu'en plus je l'ai monté, enfin que nous l'avons monté avec l'homme, je me dis, s'ils peuvent juste me renvoyer une housse, ça serait top. Parce que je ne vous ai pas montré, le coussin se déhousse, mais à l'arrière, il y a une fermeture et on peut enlever la housse aussi. Donc je me dis, s'ils peuvent faire ça, ça serait top. Bon, je vais envoyer mon message et puis je vous tiendrai au courant de ce qu'on a pu me dire. Voilà, voilà. Ah oui, je vous montre quand même. Bon, même si c'est pas un truc de ouf, mais je vous montre quand même. Ah. Ma moureuse, elle est comme ça. Là, tu me filmes pas. Hein. Ce que j'ai repris, donc je vous avais dit. Une carte, donc j'ai pris celle-ci. Voilà, je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Donc la 128. Et j'ai pris, alors il n'y a pas une marque ou un truc. Enfin bref, donc là-dedans, il y a aussi la carte mémoire, j'allais dire n'importe quoi. La batterie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la charger celle-ci pour qu'elle soit à fond aussi. Il y a peut-être deux jours. Puisque deux jours de repos, mais. Motivation ménage à faire et batch cooking, et ça, ça prend du temps les gars, donc je vais la charger maintenant et comme ça je vais pouvoir voir si elle fonctionne bien quand même. Toujours sympa de savoir.
La fille trop contente de sa chaise, oui. Bon les amis, on se retrouve, on est le lendemain et je sors de mon bain, oui. Voili, voilou. Je suis en train de regarder pour le weekly vlog que j'ai monté ce matin du coup, parce que je ne l'ai pas fait hier soir. Hier soir, je me suis endormie, mais comme une... Comme, voilà, comme ça. du coup, j'ai fait le montage de ce matin du weekly vlog de la semaine dernière et je vais vous le poster tout à l'heure. J'ai envoyé un message du coup à la marque directement pour la chaise. J'ai pas encore eu de réponse, j'ai envoyé ça hier soir. Donc j'attends. Après vraiment, ça se voit pas parce que... Enfin, ça se voit un petit peu quand même. Je vous montre quand même que vous puissiez voir. Donc voilà la chaise. Tac, 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 tac. Et en fait, est-ce que je vais retrouver? Ça doit être en dessous. Ouais, c'est là. C'est juste là. Voilà. Bon, il n'y a rien de ouf, hein. Mais bon, voilà. Donc, vu qu'elle se déhousse ici, je me dis que ça peut être pas mal. S'il me refile une housse, au moins, je la changerai. Voilà. Et concernant cette petite chose, en fin de compte, donc là, on a le marche-arrêt. Et c'est un chargeur rapide en plus. Donc, franchement, c'est topissime. Juste à éteindre, ça évite justement de charger tout pour rien. Si c'est déjà chargé, tu éteins, tu rallumes. Franchement, c'est top. Et je suis trop trop contente. Et au cas où, si j'ai besoin de d'autres prises, si j'ai besoin vraiment des trois prises qui m'étonnent, j'aurai juste à le sortir du bureau et à le poser. Je suis trop trop contente de ça. Ouais, donc du coup, endormie très tôt. Mais par contre, levée ultra tôt. Réveillée à 5h30. Je m'étais mal démaquillée, je me suis retrouvée avec les yeux qui pleuraient et je vois que j'avais encore du mascara, donc du coup 5h30 je me lève et je vais faire quoi? Bah finir de me démaquiller correctement. Voilà voilà. Voilà voilà. Ma douce et tendre vie. Bon, je vais exporter mon vlog du coup sur YouTube et on a un temps pourri aujourd'hui. Je sais pas, là vous voyez que la luminosité n'est pas ouf. Franchement, voilà. Voilà ces petits nuages. Bon, bah on se retrouve ici quoi. J'ai fait mon montage de mon weekly vlog. Du coup, ça s'est fait. La vidéo exportée, blablabla. J'ai tout fait. Du coup, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'effectivement, je vous parlais de ma problématique avec le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je suis en magasin, quand je travaille en magasin, il y a du monde style au mois de décembre, mais ouais, c'est pas pareil que le soir, ou je sais pas pourquoi. Parce que bon, on pourrait se dire, la meuf elle travaille en magasin et apparemment ça lui pose pas de problème quoi. Donc ouais, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que dès l'instant où il y a trop trop de monde, je me sens mal. Voilà, c'est la vie les gars. Bon, il y a pire. Hein. Je me mets la petite huile biphasée là que j'avais reçue dans la prescription là. Du coup, elles sont super bonnes, j'aime bien. Elle est très douce. Cheveux velours aux trois huiles précieuses avec des petites paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est la marque Bioran. J'ai pas un petit... Ah non, c'est un cheveu. Je me suis fait bouffer par les moustiques hier soir. Oh, mais un truc de malade. J'ai au moins une dizaine de piqûres. Vraiment. J'ai au moins une dizaine de piqûres de moustiques sur les cuisses. Surtout sur les cuisses. Elles sont venues me piquer sur les cuisses. Les connasses. Voilà, voilà. Bon, je commence un peu à avoir faim. Hier soir, j'avais fait du poulet. Des aiguillettes de poulet que j'avais fait justement avec une petite panure. Mais j'avais plus de chapelure. Enfin bref, je me suis débrouillée un peu comme je pouvais. Donc je pense que je vais aller manger un petit bout. Et puis après je vais continuer tranquillou ma petite journée. Alors, je sais pas si on voit mais ça fait vraiment des petites paillettes. On va peut-être pas vraiment bien voir là. Avec le temps qu'il fait en même temps. Donc du coup je vais aller faire ça. J'ai l'impression d'avoir un truc noir quand je regarde comme ça. Mais en retour non, il n'y a rien. Pas de noir. Pas de gros points noirs.
Bref, allez, la meuf, pas de gros points noirs. Entre boutons, points noirs, avec moi, vous vous êtes servis, les gars. Il commence à faire un peu froid. Du coup, j'ai mis mon petit gilet très sexy, quoi. Voilà. Bon, du coup, ah oui, le gars aussi d'Amazon, il m'a répondu. Il m'a demandé, enfin, le gars, le service client, ils m'ont demandé d'envoyer tout ce qui était carton et tout. Donc, j'ai photographié le carton que vous voyez juste ici. J'ai photographié le carton, j'ai photographié la chaise. Bon, bah voilà quoi. J'espère que ça sera bon. Ça. En fait, ça va. Si on me dit de renvoyer la chaise, ça va trop me saouler ça. Quand on me dit un truc comme ça, en plus elle est montée, je suis assise dessus, je l'ai déjà essayé, ça me fait chier de la renvoyer. Donc je croise les doigts pour qu'ils me disent ok. Je me connais, si on me dit de la renvoyer, je la renverrai pas, je dirais bon allez c'est bon, laisse tomber quoi. Donc voilà, voilà, je me connais. Donc du coup je vais attendre qu'il me réponde. J'ai envoyé toutes les photos qu'il m'a demandé. Il n'y a plus à attendre la réponse. Allez, je vais manger, j'ai trop faim. Je sais que j'ai mon reste de poulet là, mais je sais pas ce que je vais manger avec. Peut-être un truc un peu consistant quand même pour le midi. Je vais me faire peut-être des féculents. Ouais. Je pense que j'ai ça. Et ma mère m'a dit comme quoi que elle avait laissé chez papa de la salade. Donc il faut que j'aille récupérer de la salade. Et mon père avait fait du rôti. Il faut que j'aille récupérer mon rôti. Et je voulais à la base aujourd'hui faire ma petite motivation dimanche. Parce que maintenant je vous poste les motivations dimanche le dimanche. Logique. Donc voilà, je voulais faire ça. Bon, bah écoutez, on verra bien. Où est-ce que j'en suis plus tard? Chérie? M'amoureux? Oui. On va se faire une petite balade au soleil? Ouais, ouais. T'as mis tes baskets? Ouais. On va aller courir, on va aller faire du sport. Ouais. Oh, comment ça tombe? Et encore, le temps qu'il aille me chercher la cam, il pleut moins. Mais je pense que toute la journée ça va être ça quoi. Voilà voilà. Voilà voilà. L'homme se fait un café. Je vais refermer. Il est là. Regardez. Bon bah voilà, du coup écoutez, je vais me faire des petites pâtes pleines de couleurs. Les pâtes pour les enfants pleines de couleurs. Et là, j'ai un enfant aussi qui se frotte au carton qu'on doit aller mettre à la poubelle. Voilà, voilà. Et pour éviter le côté sauce, j'avais de la sauce que j'ai faite hier. Vous savez que j'avais faite pour mon poulet. Donc, je pense que je vais mettre ça dans mes pâtes. Ma sauce avec mon fromage. Enfin, mon fromage, non, mon yaourt nature. J'avais mis quoi d'autre? Yaourt nature. Du sel, du poivre, du persil. Enfin, voilà. Donc je vais manger ça. J'attends que mes pâtes finissent de cuire. Et on se met à table. Voilà. J'ai mangé un petit peu parce que je commence vraiment à avoir faim. Donc pour une fois que je mange le midi. Enfin, il est quelle heure chérie là? 13h? 13h30? 2h-10. 2h-10. Moi, je mange un peu tard. Donc voilà. Bon du coup la salade, j'irai la récupérer un peu plus tard. Je vais attendre que ça se calme chez papa. Voilà, on va manger. Et puis on va commencer la vidéo ménage. Parce que du coup. Vous voyez, il y a encore tout ça là qui est en train de sécher, mais qui est sec pour le coup. Mais il faut que je range quoi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis en train de me préparer. Puisque je dois aller avec maman rechercher du terreau pour les plantes aujourd'hui. Du coup, il faut qu'on passe aussi à l'Aldi, je crois. Enfin bref, il n'est pas très tard. Mais du coup, ah oh là là, madame, du coup, moi, tout le temps. Quelle heure est-il? Il est 8h52, voilà. Donc, je suis en train de me préparer pour la rejoindre. On va y aller ensemble. Hier, j'ai fait le rangement de mes placards sur la cuisine. Voilà, donc c'est tout propre, tout rangé.
Donc je suis bien contente, une chose en moins à faire. Et le soir, j'ai retrouvé ma mère, mon père, voilà. Donc voilà, et du coup, eh ben, c'est parti. Je suis prête. Il fait pas super beau, du coup, j'ai mis ça. Mais je me dis, si le soleil se lève, j'aurais peut-être super chaud. Donc j'hésite à pas me mettre, parce que du coup, j'ai juste mis mon soutif en dessous. Est-ce que je mettrais pas un t-shirt? Je ne sais pas. Et puis, ben, jean, quoi. Jean, les gars. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah écoutez. 8h54, je pense que je vais pas tarder. Par contre, j'ai presque plus de batterie, ça craint. Je vais charger vite fait. Je vais charger pendant une demi-heure, histoire d'avoir un peu de batterie. Et après, j'irai rejoindre ma mère. Voilà. Bon, les amis, du coup, ça y est, je suis revenue de course. Il est quelle heure, chérie? Presque 14h, je pense. Dans ces eaux-là. Attendez, je vais vérifier. Il est 13h35. Voilà, donc du coup, je suis partie 3h30. Bon, on a fait une petite halte à la maison. Et après, on est parti avec maman chez papa pour aller boire un coup. Et du coup, mon père était aussi passé chez le maraîcher. Enfin bref, chez un producteur qui vend ses légumes. Donc, on a acheté quand même pas mal de choses. Je vais faire ma vidéo retour de course là. Mais pour le vlog, je vous montre. Donc là, c'est la partie Aldi. Et là, on a la partie Inter. On est passé à Villa Verde. J'ai acheté un gros sac de terreau parce que j'ai des choses à rempoter. Et là, c'est ce qu'on a pris chez le maraîcher du coup. Donc le producteur, au niveau des prix, franchement, topissime. 1 euro le kilo les courgettes et les concombres. Et 1,50€ les tomates. Il avait principalement des tomates cœur de bœuf et des tomates ananas. Comment vous dire que moi j'ai tout ça, maman elle a encore autant. Et mon père en fin de compte y est allé aussi. Il ne savait pas qu'on y allait, donc il a racheté des tomates. Enfin il n'y avait plus de courgettes. C'est normal, on était passé papa, c'est fini. On a dû en laisser 3 je crois de courgettes. On a dû prendre je crois 2 ou 3 kilos de courgettes. Bref. Bon les amis, je vous laisse, je vais faire mon retour de course. Bon les amis, on se retrouve, on est lundi, je vous ai un peu oublié. Oui, je sors de mon bain. Forcément, je vais mettre un peu de crème. C'est la Diadermine. Et j'avais trouvé ça à mettre dans la crème hydratante. Diadermine Lift Plus Booster Vitamine C. Je l'avais eu, c'est même pas de la promo, c'était à la base une dette courte. Mais je sais pas si je vous avais dit, des fois dans mon Intermarché, ils font des dates courtes sur des produits qui entre guillemets ne se périment pas, puisque tant que c'est pas ouvert, normalement ce genre de produit c'est 12 mois après ouverture. Donc il faut en mettre une petite goutte dedans et hop, mélanger et s'en mettre sur le visage. Voilà. Donc oui, je vous ai un petit peu oublié. Oui et non, hein, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai bossé. Ça fait écho, hein. Ouh. Ouais, véco. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je me suis... j'étais bossée vendredi, samedi. Dimanche, on a fait une journée pépère à la maison, etc. Où on n'est pas vraiment sorti. Et puis, du coup, ben, aujourd'hui, c'est passé à une vitesse folle. Puisqu'à l'heure où je vous parle, il est déjà 18h. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu rendez-vous chez mon médecin. Mais vu qu'on est lundi, vous aurez ça donc dans le nouveau vlog. Et je lui ai parlé de mon petit souci quand je me retrouve avec du monde, etc. Comme j'ai pu vous le dire dans le dernier vlog. Voilà. Donc écoutez, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Soyez patients. Hein, une semaine, c'est une semaine, ok? de toute façon, je vais refaire mon vlog à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez me revoir dans la même position qu'ici. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir continuer à savoir un petit peu ce qui se passe dans nos vies. Et puis activer la petite cloche, voilà. Bon écoutez, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.